bonheur aussi à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmier. Abonne-toi, mon petit palmier. Hey, coucou, petit palmier. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nadège Candle et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tout nouveau jeu qui s'appelle 911 Prey. C'est un jeu un peu comme Metal. Je crois que c'est un peu le même créateur. En fait, on est enfermé dans la maison d'un psychopathe et on doit s'échapper, prendre des objets, trouver des énigmes et tout. Mais le psychopathe, il vient nous voir. Il faut vite qu'on retourne dans la cage et en mettant tout comme c'était avant. Sinon, s'il voit une erreur, eh bien, hop, on perd une vie. Et le but, c'est de s'échapper de la maison, bien sûr. J'espère ne pas mourir. Ça va faire peur. Vous avez été nombreux à me le conseiller, donc on y va, on va faire ça. Si ça vous plaît, bien sûr, cliquez sur le pouce bleu. Je compte sur vous pour liker. Attention, si vous likez pas, coup de palmeier. Également, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre la team palmeier. Mais attention, il y a que les vrais qui peuvent s'abonner. Les autres, tant pis. Allez, on y va, ça se passe sur ordinateur, c'est aussi dispo sur Android. On y va, c'est parti. Oh, ça commence, regardez. C'est l'affaire 62D000521. Alors, il y a un crossman qui a disparu, Rodriguez. Enfin, il y a plein de gens qui ont disparu. L'enquête a commencé le 10 janvier 87 et elle n'est pas terminée. Là, il y a des choses qui passent, je sais pas ce que c'est. Et là, c'est Jacob, il a 12 ans, donc c'est nous, Jacob Fox. Ah non, 14 ans, voilà. C'est 2 ans après ça. C'était aux États-Unis, à Greenwood. Alors, Jacob était dans la maison de ses parents le 22 janvier 87. À 8h40 le matin, le jour suivant, eh bien, la mère de Jacob a dit que son garçon n'était pas en bonne humeur la veille et qu'il a pris ses affaires, il est parti. Et donc, voilà, il a dit ce par eux, ils savent pas où il est. Oh non! Et je parie que c'est nous. Oh! Ah, c'est quoi top secret? Hey, pourquoi? Attendez, il y a écrit top secret ici. Ah ok, c'est le bureau de l'inspecteur. D'accord, ok. Bon bah écoutez, on y va. Ça c'est les menus des options et tout. Il y a les sous-titres, ils sont activés. Donc on y va. Quoi? Preuve 911? C'est quoi? White Springs? Mais je veux pas preuve moi. Comment on fait pour jouer? Ah là, ok, oh, on court dans la forêt. Ah, on est tombé. Peut-être qu'on s'échappait du précédent jeu. Vous vous souvenez, on était dans la cave et tout. À mon avis, c'est ça, c'est la suite. Vous essayez de fuir l'oncle Frank, mais t'es pas l'oncle Frank. Marcher sur la neige, laisser des empreintes derrière soi. T'es un psychopathe avec un masque de cochon. Viens ici, on rentre à la maison. Non, c'est pas ma maison. Oh, bah voilà, on est dans une cage. Bon, comme dans Metal. Alors, bien sûr, c'est verrouillé. Là, il y a quoi? Oh, on peut pas atteindre. C'est un pied de biche. Ah, oh, ça aurait été pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là. Ok, poker. C'est quoi un poker? N'importe quoi. Du coup, je peux ouvrir. Le poker n'est pas assez fort. Ça, c'est du bois. Ça, je peux pas l'atteindre. Est-ce que je peux l'atteindre avec le poker? Oh, ouais. Et du coup, ça, c'est assez fort. Ben voilà. J'ai déjà réussi à sortir de là. Voilà. Si je casse la fenêtre, je peux peut-être m'échapper, mais ce serait bruyant. Il doit y avoir quelque chose dans cette maudite maison pour que je puisse ouvrir la fenêtre sans faire trop de bruit. Bah, peut-être qu'on peut essayer d'ouvrir avec le poker. Attendez, on essaye. Oui, casse! Bim! Ah, hein? Maudit vert, ça fait tellement mal. Bah, c'était facile ce jeu. Je suis déjà échappé. Ah, allez, cours! Ouais! Ah, c'est le jeu le plus rapide que j'ai jamais fait. Bah, cours! Je n'en peux plus. Plus? Tu peux plus quoi? Mais cours! Mais faut t'échapper! T'as pas couru assez! Comment se fait-il qu'il y ait autant de ketchup? Bah, je sais pas! On s'est coupé en faisant la. Oh, boui-boui! On est tombé dans les pommes. Oh! Pauvre petit idiot. Mais c'est bon, votre corps servira toujours un grand objet que te if. Quoi? Tu as perdu? Ah, 1 minute 13, bah ce fut rapide. Bon, on recommence. Non, ça on l'a déjà vu, sorry. Je vais prendre ça, et ça, et ça. Ah bah voilà, déjà ça c'est fait. Allez, on ouvre. Et du coup, bah on peut pas sortir par la fenêtre tout de suite. Non, non, que nenni. Donc là, il y a une bouteille de vin rouge, le sein. Là, il y a du feu. Est-ce qu'on peut ouvrir? Ah oui. Oh, une quelée. Ok, j'ai déjà trouvé une quelée. Hein. Encore une bouteille. Quoi? Chiche! Mais tais-toi! Bah voilà, maintenant il vient. Bon, bah écoutez, je reviens ici. Voilà.
là là, s'il te plaît, ne remarque pas que j'ai quitté la cage, s'il te plaît. Bah j'ai pas quitté, regarde. Ouvert, fermé. Oh ah ! Bon allez, on arrête. Il est où ? Il vient pas ? Bah, le chrono était remis, monsieur. Il vient ou il vient pas ? Bon, on va attendre un peu, on va être patiente. Parce que si je... Oh, ok, bonjour. Salut, oncle Franck. Attendez une seconde. Quelque chose ne va pas. Bah quoi ? J'ai refermé les portes là-bas. Où est passé le tisonnier ? Oh non ! M'attraper ! Oupsie. Bon, ah, on est où là? Je ne voulais pas ça du tout. Mais on est dans la cave. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce produit chimique? Arrête! Mais tu m'y oublies. Oh. Ok, on a 3 cœurs. Bon, il m'a pris qu'un cœur, ça va. En fait, faut remettre. Ah, faut remettre ça. D'accord. Bon, ben on ouvre. Et j'ai une clé. Ici, il y a rien. Là, il y a rien. Ok. Là, fermé. C'est pas la clé. Sur la table, il n'y a rien que Nenny. Là, il n'y a rien. Ici. Oh, c'est quoi? Du fromage empoisonné? Ouh! À mon avis, il faudra lui donner à manger. Alors, ici. Fermé. Que les... Oh, wow! Oh, je reconnais l'endroit! Bonjour! Ah, c'est super. Là, on pouvait faire un truc avant, mais là, on peut plus. Là, c'est verrouillé, c'est la porte d'entrée. Là, il n'y a rien. Là, il y a... C'est quoi? Une résistance. Là, c'est des fusibles. Là, c'est verrouillé. Là, il n'y a rien. Là, encore une résistance. Je sais pas à quoi ça sert. Oh, des petits canards. Oh non. Faut pas marcher dessus. Oh, boui-boui. Faut retourner là-bas. Ok. C'est bon. Je vais là. J'ai rien fait. Mais il n'y a pas de chrono. Est-ce qu'il va venir ou pas? Il y a la musique qui fait peur. Est-ce qu'il va venir ou pas? Ah non, c'est bon, regardez. Attendez une seconde. Ouais, en fait, il a été dans la salle de bain. Quelque chose ne va pas ici. J'ai tout laissé là-bas. Ok, tout semble être en place. Ouais, ça va. J'ai refermé la porte, tout va bien. C'est bon? Il est reparti? On y va! Ouais, à moi la liberté. Bonjour. Il est où? Il est en haut, il est dans la cuisine. Là, c'est quoi? C'est la cave. C'est verrouillé. Oh, la cuisine! Oh, encore les petits canards! Maudit poussin jaune! Il y a quoi là-dedans? Des boîtes d'œufs, des poils? Je peux rien prendre. Là, il y a quoi? Oh, c'est quoi? Une batterie. Ouais, enfin, une pile, quoi. Ok. Là, un bout de journal. Oh là là! Tout ça à lire! Ah non, Felem. Oh, sorry. Non, j'ai dit non. Comment il insiste, le jeu? Bon, là, il n'y a rien. 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 On va aller faire le tour, là. Oh, verrouillé. Oh, le frigo. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est de la viande humaine. Oh non, oh non. Oh là 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 là. C'est de la viande humaine, mais moi, je veux pas terminer en ragoût. Il y a quoi, là? C'est quoi, ça? Oh. Pas d'électricité. Comment? Ah, faut peut-être mettre ça? Attendez. Comment on fait? Oui! Ça rentre! Comment on ouvre? Vis de forme étrange. Ah, la pile! Ouais, j'ai mis la pile! Du coup, ça s'allume. Oh, waouh! Oh non, c'est un casse-tête! Regardez, c'est le truc, là. Comment on fait? Il faut que tout soit vert. Oui? Oui, mais comment? Oh! Ah bah, oh non. Presque. Attendez, ok. Là, non, ici. Là, comme ceci. Oui, encore un petit effort. Là, mais j'y arrive pas. Il y a toujours un qui est pas bon. Boui, boui. Allez. Mais, oh là 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 là. C'est pas facile, il y a toujours un qui manque. Ça se fait trop méga pas. Et hop! Ah, ça y est, j'ai mis le switch. Comment on fait maintenant? Oh, faut un truc. Vis de forme étrange.
J'ai pas de tournevis. Faut que je trouve un tournevis. Là, y'a rien. Là. Rien du tout. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Une soupe? Oh, le fromage! Ouais! J'ai mis le fromage empoisonné! Ah, il va voir ce qu'il va voir, lui. Ah, c'est quoi? Un manche de louche. Bon, j'ai pris le manche de la louche, mais c'est tout. C'est pas avec le manche qu'on peut ouvrir ça. Attendez. Non. Ah! Bon, mais tant pis. Il faut vraiment que je trouve le tournevis. Où est-ce qu'il peut être? Parce que là, il n'y a rien. Là, c'est fermé. Là, il n'y a rien. Oh, attendez, en haut, j'ai pas été voir. Faut faire attention. Là, il n'y a rien. Ici. Ok. C'est des toilettes. Ok. Mais... Quoi ce bruit? Il va venir? J'ai peur. Attendez. Il est là? Oh, il est là. Je peux y aller ou pas? J'y vais doucement. Il n'y a rien ici. Là, il n'y a rien. Ah! J'ai eu peur. J'ai cru que c'était lui qui bougeait. C'est quoi ça? Hôpital Saint-Marie. Greenwood, Minnesota, Frank Flowers. C'est lui! C'est lui, le petit copain de feuate. Frank Flowers. Bon, il n'y a rien d'autre ici. Je vais le laisser tranquille. On va partir, hein? Voilà. On y va vite! Bon. Faut vraiment que je trouve le tour de Maurice. Est-ce que j'ai bien regardé ici? Là, il y a... Oh, là! Oui! Tournevis étoile! C'est ça. Regardez. Hop. Je prends le tournevis étoile et ploup, ploup. Ouais! Vloubli, vloubli, vloubli. Voilà. Et hop! Oh, waouh! J'ai une clé! C'est génial! C'est la clé de quoi? Du sous-sol, peut-être? Oh, oui! Bon, alors, attendez. On y va. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Mais ça, je me souviens. Aucun moyen de déplacer ça à la main. D'accord. Ça, à mon avis, ça fait du bruit si on passe. Donc, faut s'accroupir. Là, c'est verrouillé. Là, on peut rien faire. Là, on peut rien faire. Là, j'ai pas la clé du cadenas. C'est quoi, ça? Une aiguille de serrure. Ok, il y a quoi d'autre? Des citerons. Un vélo et des boîtes. Bon, alors, attendez. Est-ce que c'est ça? Oui! Je crochète le cadenas! Oh, j'ai cru que ça allait faire du bruit. Là, il y a de l'eau. Ici. Oh, c'est là qu'il m'a mis tout à l'heure. C'était ça, le sous-sol hanté maudit. Là, c'est quoi? De l'eau. Là, c'est quoi? Oh! Harry Bates Junior est mort Greenwood. Ok, c'est encore un article de journal. Bon. C'est quoi, indice? Attendez. Oh, ça me montre ce qu'il faut faire. Non, je veux pas. Oh, trop tard. Bon, c'est pas grave. Des dessins inutiles, là. Mais c'est là qu'on était dans la précédente partie. Vous vous souvenez? Dans l'autre jeu 911. Ça, ça s'ouvre? Ouais. C'est quoi? Un disque coupe-vert? C'est quoi? Je sais pas. En tout cas, c'est quoi? De... Quoi? Joueur de flûte, tu les rats et les souris. Oh! Il y en a peu lui. Bah oui, bah c'est ce que j'ai mis dans le fromage. Ok. Ça, c'est quoi? Hein? Sous-sol, étagère à étagère, barrière. Chaufferie, barrière. Chambre noire, barrière. Couloir sous l'escalier, barrière. Couloir, le coin avec un balai. Bon? Ok. Bon oui, indice. Attendez, c'est quoi? Là, il y a rien. Ah! Un coupe-vert, c'est cassé, mais si je le répare, je peux sortir sans faire de bruit. Oui. C'est là qu'on répare? Attendez. Ouais. Ah bah oui, ah bah c'est ça. Faut que je remplace ça avec ça. Et ça avec ça. Comment on fait? Faut... À mon avis, il manque un objet. Sinon, il me laisserait le faire. Et ça, c'est quoi? Ah ouais, je le récupère. Non, je vais le laisser là. Je vais le cacher le temps que je trouve l'autre objet. Ça, c'est quoi? C'est rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, c'est verrouillé. Quoi? J'étais coincé. Ah, j'ai eu peur. Là, il y a... Oh! Un tournevis. Pourquoi faire le tournevis? J'ai déjà eu un tournevis tout à l'heure. Bon, attendez. Je referme bien parce que si jamais je fais du bruit, on sait jamais. La 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 la, on referme. Alors, tournevis. Là? C'est quoi ça? Oh,
Oh, oui, c'est ça. Regardez, y'a. Ce bruit vient-il de la cantine? C'est quoi la cantine? C'est là-bas? Ça a ouvert une cachette de sucre. Oh, c'est quoi ça? Oh, regardez! Je peux prendre l'objet? Ah! Mince! Il faut que je le remette! Oh non! 15 secondes! Dépêche-toi, waouh! Il faut que... Vite! Ok, je referme. Ça, je referme. C'est bon, j'ai tout mis. Oh, 5 secondes! Oh! Vite, Nadi! J'ai bien tout remis. Oh là 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 là! Oh! J'ai rien au feu! C'est pas moi! Non, non! Moi, je suis dans ma cage. Quoi, ce bruit? J'ai peur. Qu'est-ce que... Ah! Il est là! Bonjour! Eh bien, attendez une seconde! Quelque chose ne va pas. Quoi? J'ai remis le tisonnier. Oui, je l'ai remis. Tout semble être en place. Ouais! Ah la la la, louloulou, li 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 li, louloulou, la 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 la, ha, ha. Voilà, bien. Donc je peux y retourner. Du coup, c'est quoi ça? Une clé spéciale? Non? Bah c'est pas une clé de porte, hein. C'est peut-être pour le truc en bas là. Ça là, regardez. Non? Ah là, il y avait un truc. C'est ça? Une clé spéciale est nécessaire. Ah bah voilà. Oui! C'est quoi? Grease du Gera. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut. Attendez, j'y vais. Attendez, on va voir. Est-ce que je peux utiliser... Oh, mais oui! J'ai utilisé le Gera. Et du coup, là, je remplace ça avec ça. Et maintenant, bah, je récupère le coupe-vert. Oh, j'ai le coupe-vert! Comme neuf. Quoi? Ça fait ding-dong! 15 secondes! Vite! Ferme! Ici aussi! Oh là 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 là! 5 secondes! Vite, vite, vite! Oh! Comment c'est storé mener ce feu en ce jeu? Oh! Bon, moi je suis dans ma cage, lui il va les manger. Oh! Il va les manger le fromage empoisonné! Noah! Bien fait pour toi! Bien fait pour toi! Allez hop! Qu'est-ce qui se passe? Ah, il va pas manger dans la cuisine! Je vais pas le voir manger, comment je vais savoir qu'il est remonté? Oncle Franck! Youhou! Non, il veut pas venir. Faut que je sorte ou pas? J'ai toujours peur de sortir à ce moment-là parce qu'on sait jamais à quel moment il peut venir. Il est pas content? Ou alors il est tombé dans les... Ah! Il est pas encore tombé dans les pommes. Ah, j'ai bien fait d'attendre. Oh, il va prendre sa soupe! Bon appétit, oncle Franck, psychopathe! Allez, mange bien le fromage empoisonné. C'est bon. Mange tout. T'as intérêt à tout manger. Comment il mange avec un masque de cochon ensanglanté? C'est dégoûtant, hein. Pardonnez-moi de ne pas vous proposer. Non merci, j'en veux pas de ton poison, là. Mais j'ai assez dépensé ce mois-ci. Il a trop dépensé pour me donner un bol de soupe. Je sais à quoi ça ressemble, mais croyez-moi, je ne ferai rien de tel. Hein? Il mange des humains? Je ne suis pas de ceux-là. Au contraire, je veux aider. Eh ben, commence par me libérer, peut-être. Ah! Tu sais, le feu brûle. Ça brûle. Et ça sans feu où? Je comprends pas. Je me fiche de quoi ou de qui ou combien ça fait mal. D'accord. Et je veux l'éteindre. Et tout s'arrêtera. Ah, j'éteindrai ton feu et... Jacob, toi et moi faisons le vœu rébeuillin ici. Le vœu rébeuillin! Non, je crois pas. T'enfermes des gens dans des cages pour les manger? C'est pas le bien. Parce que ce non-sens libéral de tendre l'autre joue, oui, c'est dur, mais être un homme, c'est agir comme un homme et payer le prix fort. Je comprends rien à ce qu'il dit! Oncle Franck te dit n'importe quoi, hein! C'est le poison qui te monte à la tête. Je dois monter, merci pour votre écoute. Bah, j'ai pas eu le choix! Je suis dans la cage! Ça va, tu te sens bien? Je ne me sens pas bien. Oh, comme par hasard, je sais pas du tout pourquoi. C'est le poison que je t'ai donné. Méchant. Vas-y, va-t'en. Voilà. Bye.
À mon avis, il va tomber dans les pommes. Et tant mieux pour lui. Allez, nous, on y va. On va... Enveloppe ! Ah ! Il fait des drôles de bruit. Ça va ? Oncle Franck, ça va ? Ouais. Je vais te laisser, hein ! Alors, est-ce que je peux m'échapper par là ? Il y a quoi comme secret ici ? Verrouillé. Oh, oh non ! Je ne peux pas le gérer. Et pourquoi tu peux pas gérer ? Prends-le et tire-lui dessus ! Ah, oh, ça aurait été tellement mieux. Bon, là, il y a un lit. Là, il y a ça. Mais à mon avis, je peux rien faire. Vous pouvez faire tourner l'objet. Bada ! Bon. Eh bien, écoutez, je crois qu'il faut qu'on s'en aille. On n'a pas trop le choix. Donc, on y va. Ça va ? Youhou ! Ça va ? Il n'a pas l'air d'aller bien. Je crois que il est tombé dans les pommes. Alors, par ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Rien. Le tableau, rien. Ici, bah, ça sert à rien d'y aller. Et est-ce que je peux le... Non. À mon avis, je peux faire du bruit, oui. Ouais. En bas, attendez. Je peux pas ouvrir ça avec ça. Il n'y a aucun moyen de le déplacer à la main. Dommage. Bon, bah, écoutez, je crois qu'il me reste plus qu'à utiliser le coupe-verre sur le verre. Pourquoi le lustre, il est comme ça? Il est penché. C'est bizarre, non? Il n'y a pas un truc à faire ici? Attendez. Non, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Bon. Je pensais qu'il allait avoir un secret, mais non, non, non. Que nenni. Bon, bah lui, il a mangé sa soupe. Du coup, dans la cuisine, il n'y a plus rien. Il a pris toute la soupe, le coquindou. Il y a quoi là-dedans? Oh, dégoûtant. Il y a encore de la soupe. Oh, du chocolat! Ça, c'est bon, ça. Bon, allez, on y va. Je prends le coupe-verre et on va couper le verre. Voilà. Voilà. Ah ok, mon pote, ne me laisse pas tomber. Je pense que là, c'est bon, cette fois. Ouais. Coupe bien. A-t-il l'air de fonctionner? J'ai ce verre, je l'ai réparé. Oui, oui, oui. Vas-y. Pimpo! Il a donné un petit coup, ça s'est ouvert. Il pose la vitre. Et on part. Ouais! Vas-y, Jacob! Cette fois, je vais certainement le faire. Vas-y, ouais! Tu es sorti de la maison. La, 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 la. Super! J'imagine que si je vais au menu, Jacob est sorti de la maison, Jacob a survécu, Jacob a empoisonné Franck. Vous croyez qu'il y a d'autres trucs à faire? D'autres secrets? Non, j'ai regardé, il n'y a pas d'autre fin. Ben, en tout cas, j'ai adoré ce jeu. J'aime bien les jeux comme ça, de peur, d'énigmes et d'objets. Alors, dites-moi dans les commentaires les autres jeux qui existent dans ce genre que vous voulez que je fasse. N'oubliez pas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et avant de partir, regardez une autre vidéo de Nadège Condel. Merci, bisous, 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 bye bye.